Bonsoir à toutes et à tous, c'est Monsieur Biohazard. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, on se retrouve donc directement sur la présentation particulière de cette Nintendo Switch Lite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je vous en avais parlé je vous en avais parlé sur Twitter, je vous en avais également parlé sur Snapchat et je vous en avais parlé dans la vidéo collection Nintendo que je vous avais fait donc sur la chaîne YouTube. Alors, et je vous avais également dit que cette petite Nintendo Switch, enfin cette Nintendo Switch Lite avait une histoire bien particulière. Donc ce soir, je vais vous expliquer donc quelle est son histoire. Tout simplement, ça a été le jour où j'ai été chercher certains accessoires donc pour la Nintendo Switch. J'avais été également chercher ma nouvelle Nintendo Switch que vous aviez vue, donc la Monster Hunter Rise, et il y avait une Nintendo Switch Lite qui était exposé donc dans la vitrine du magasin là où j'ai été et qui était marqué pour pièce, donc qui était avec un présentoir présenté comme ceci et c'était marqué avec une étiquette pour pièce. Du coup, un petit peu perplexe, je me pose la question, mais en fait cette Switch Lite, qu'est-ce qu'elle a? Du coup, je vais voir donc la personne que je connais qui est un ami également et je lui demande bah, pourquoi cette Switch est vendue pour pièces. Alors, il m'explique apparemment qu'il y aurait un problème, elle buggerait de temps en temps en arrivant donc sur le Home, donc Nintendo Home, vous savez le menu quand vous appuyez sur ce bouton, ou quand on navigue dans les menus, ou bien quand vous jouez, mais ce sont des bugs aléatoires. Alors, je lui demande, est-ce que la Nintendo Switch, dans tous les cas, marche? Si on peut jouer avec, se connecter à Internet, etc., etc. Il me dit oui. J'ai très bien. Donc je vais quand même vous dire le prix, parce que vous savez que je n'ai pas de secret pour vous. Tout est transparent, comme je vous l'ai toujours dit. Hein, je suis totalement transparent avec vous. Donc j'ai acquis cette Switch Lite pour 50 euros. Et je vais vous montrer tout de suite, en fait, qu'elle marche. Regardez. Donc je vous fais le tour, encore une fois. La voici. Voilà. Donc on va tourner un peu le smartphone, on va le descendre un tout petit peu, comme ça je vais pouvoir vous montrer au flash. Voilà, on va mettre le flash maintenant. Donc la voici. Donc il y a un peu de traces de doigts, vous vous doutez bien, ce sont des écrans qui aiment bien les traces. Donc voici cette Switch. Donc eh bien, regardé sur toutes ses coutures cette Switch. Donc, bien sûr, vous avez le port micro SD ici, hein, comme d'habitude. Vous avez également le port des cartouches en haut. Donc, il y a comme cartouche BioShock collection. Vous voyez, hein, l'écran est allumé. Hop, on va pas l'allumer maintenant. Donc, je la regarde sous tous ses angles. Donc, je touche les boutons, etc. Machin. Et je me rends compte d'une chose. Regardez, je sais pas si on va le voir à l'écran. Eh bien, ici, elle a été frappée. Voilà, donc il y a eu un impact sur ce côté. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Non, on ne voit pas très très bien. On le voit vite fait. Hein. Vous voyez là où il y a mon doigt là? Juste ici. Là, voilà. Il y a juste ici. Hop, ça raccroche avec mon ongle. Alors, on ne voit pas très très bien. Mais ici, il y a bien une marque. Et elle a dû être tapée ou frappée ou tombée ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous saurez que sur les Switch, eh bien, c'est la maladie. Hormis les Joy-Con Drift, hein, donc vous savez, le drift, ça se passe au niveau des joysticks ici. Et ça, je vous expliquerai dans une vidéo comment éviter ce petit problème. Mais en fait, le souci, c'est que donc cette maladie, si vous voulez, dans les Switch, alors que ce soit les Switch normales, hein, peu importe la version, la V1, la V2, la OLED ou la Switch Lite, en fait, ce sont des consoles qui sont très fragiles. Pourquoi? Parce que si elles prennent un choc, si elles tombent ou quoi que ce soit, dedans, vous avez donc la carte mère, le processeur, etc. Et ce sont des pièces extrêmement fragiles. Il suffit d'un choc ou d'une chute dans l'état tel qu'elle est. Hein, donc le plastique, vous la faites tomber. Malencontreusement. Oh mince, elle est tombée. Et en fait, vous avez des soudures qui peuvent sauter. Et ces soudures qui eh bien, sautent, hein, donc des soudures qui cassent, tout simplement, peuvent vous créer donc des bugs. Alors je ne sais pas si on verra un bug à l'instant T, mais dans tous les cas, voici. La Switch, donc on va la démarrer ensemble. On va mettre BioShock 1. Allez, c'est parti. Voilà, on va lancer BioShock ensemble. Donc on va couper, hop là, ensemble
le flash. Vous voyez sur l'écran, la console marche impeccable, hein. Pas de souci. On va annuler, pas besoin de se connecter, continue. Vous voyez qu'au niveau du son, il n'y a pas de souci, la console marche bien. Donc depuis que je l'ai en fait, hein, elle m'a fait que des bugs, hein, à savoir que je l'ai depuis vendredi dernier. Donc ça fait maintenant 4 jours. En 4 jours, elle m'a fait que deux bugs. Voilà. Désolé, c'est méchant. Donc je disais qu'elle m'a fait que deux bugs. Donc, vous voyez, ça marche nickel. Hop. Donc on va récupérer ce qu'on a récupéré. Voilà, donc là, bah, vous avez un bug en direct. Donc là, l'écran est noir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un bug comme ceci? Eh bien, ce que vous faites, vous appuyez ici. Regardez. Vous voyez? Donc, tant mieux, je voulais que ça se passe dans la vidéo. C'est le cas, vous voyez. Écran noir, ça ne marche plus, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Je peux appuyer sur tous les boutons, il ne se passe rien. Vous voyez? Il ne se passe rien. Alors, ce qu'on va faire, ce que vous faites quand ça vous arrive, peu importe la Switch, vous prenez le bouton ici. Donc, le bouton power et vous appuyez sur le bouton moins et plus du volume en même temps. Voilà. Vérifiez bien que vous appuyez sur les trois boutons en même temps. Vous restez appuyé. Alors on va regarder ensemble. Voilà. Vous pouvez constater que la switch est éteinte. Vous rappuyez. Alors des fois il faut refaire la manip, hein. Des fois il suffit de l'allumer et l'éteindre comme ceci. Puis des fois il n'y a pas besoin, elle redémarre toute seule. Voilà. Vous voyez, elle a démarré toute seule. Voilà. Et voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas un bug systématique. Vous pouvez jouer pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée. Elle aura rien. Et vous voyez que là, elle démarre. Aucun souci. Hop, annulé. On continue. Ça charge. Je vais vous faire une autre vidéo. D'ailleurs, on va comparer les deux Switch. Celle-ci, plus... la Monster Hunter Rise, puisque c'est une Switch standard. Puisque je n'ai pas l'autre petite Switch Lite, la Collector Pokémon, puisque c'est celle de ma femme, tout simplement. Je veux les faire sortir d'ici, cependant, les gros hommes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Voilà. Vous voyez que ça se passe très bien. Regardez comment c'est super beau. Vous avez vu? On peut faire des captures. Capture vidéo également. Un peu coriace celle-ci, hein. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On va retenir. Hop là.
Voilà. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc voici la fameuse petite Switch Lite. Donc vous aurez eu donc sa fameuse histoire. C'était Monsieur Biohazard. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À plus tard et bonne soirée.